Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette première émission de On s'en parle de l'année 2009. Alors, permettez-moi, au nom de ces communautaires Abitibi-Ouest, de Radium Multimédia et à mon nom personnel, de vous souhaiter une très bonne année 2009. On fait une mise au point dès le départ, c'est que cette émission-là est enregistrée le 16 décembre et elle va passer le 14 janvier. Donc, entre le 16 décembre et le 14 janvier, il y a des choses qui se seront passées que, actuellement, nous ne savons pas. Entre autres, le Conseil des ministres. Les ministres vont être nommés demain, le 17 décembre. Donc, pour l'instant, on va spéculer, tout simplement. Alors, l'année 2008 a été marquée de deux élections qui ont mené à un gouvernement minoritaire d'une part et d'un gouvernement majoritaire faible de l'autre part. Comme première émission de la saison 2009, il me fait plaisir de recevoir mon analyste politique, M. Jean-Louis Carrière. Jean-Louis, bonsoir. Bonsoir. Jean-Louis, deux élections en 2008. Une au fédéral qui est revenue un peu, opposition quand même, je veux dire, il est au pouvoir minoritaire, mais plus fort que la dernière élection. Et au provincial, bien là, on s'en va avec un gouvernement majoritaire, mais faible. Monsieur Charest, au moment où l'on se parle, a 66 députés en Chambre. La majorité était 63. On va aller chercher un président de l'Assemblée qui va être nommé, ça va être supposément, en tout cas, fort probablement, un libéral, qui serait possiblement aussi M. Marcoux. Donc, on est rendu à 65 sièges. On est à deux sièges près de peut-être être renversé, ce qui n'arrivera pas. On va en parler tantôt. Mais est-ce que M. Charest est à l'aise avec cette situation-là? Moi, je pense que oui, Gabi. Puis, vous prenez votre expression, on a un gouvernement minoritaire fort, pas un gouvernement majoritaire faible. Exactement. Disons que ça fait, c'est quand même assez des propos. Quand même. Moi, je pense que oui, que M. Charest est actuellement peut-être confortable. Avec cette deux sièges, cette majorité. Oui, okay. On s'explique, Jean-Louis. Oui. Et Mme Marois est confortable avec son opposition comme ça aussi. Okay. Parce que dans cette situation-là, quand on parle d'un gouvernement minoritaire, autant l'opposition est pas confortable, parce qu'il faut qu'ils fassent attention, parce qu'ils sont peut-être pas prêts à renverser le gouvernement. Non, je pense donc, il faut qu'ils calculent. Mais là, actuellement, si on parle dans le contexte, au moment où on se parle, dans 4 ans, sûrement qu'on parlerait d'autres choses. Parce que dans 4 ans, le contexte politique va avoir changé, l'ADQ va avoir repris du poil de la bête, il va remonter des sondages probablement, si on prend que l'ADQ, c'est un moment difficile qui passe. Donc, au moment où on se parle, autant de l'opposition, autant du gouvernement, il ne parle pas de haute élection, donc il parle des élections dans 4 ans. Okay. Donc, ça rend les deux confortables. C'est sûr que confortable aussi dans le sens que les deux, faut qu'ils travaillent ensemble. Et ça, c'est facile. Ils n'auront pas le choix, exactement, voilà. Parce que là, on est dans une crise financière. Là, on va arrêter là, de dire que la crise financière est à nos portes, est à la veille d'arriver. Là. On est dedans. Là. Oui. On est dedans, là, puis on a juste à regarder autour de nous autres qu'est-ce qui se passe, puis Bowater, puis etc. etc. On est dedans, là, actuellement. Fait qu'il faut, là, il faut arrêter de jouer à la cachette au gouvernement, puis que les partis qui ont été les députés qui ont été élus, les 125 députés à Québec, on doit se serrer les coudes puis dire là, on marche ensemble parce que là, on ne peut plus se crier des noms. Là. Il faut absolument qu'on marche ensemble. Je pense qu'on va être d'accord sur ce point-là, mais aucun parti est prêt là, aujourd'hui à aller en élection. Puis même que ce soit au fédéral ou au provincial, M. Ignatieff, là, qui est actuellement à la tête du Parti libéral à la place de M. Dion, on dit que bon, peut-être qu'il va renverser le gouvernement en janvier, le 27 janvier. Oublions ça là, pour tout de suite. Mais le message de la population, en tout cas, en parlant du Québec, de dire écoutez, là, M. Charest, vous voulez la majorité, vous la donnez. L'opposition fait de votre ouvrage. Le gouvernement fait de votre ouvrage. Gouvernez-nous, on ne veut pas vous voir avant 5 ans. Ou 4 ans. Là, en décorus. Disons 50 mois au moins. S'il vous plaît. 50. Mais il va y avoir, pareil, des jeux de coulisses. Ah, ça, Une chose est certaine aussi, Jean-Louis, on parle que Mario Dumont s'en va. Alors, ouais. Le comté de Rivière-du-Loup, qui va venir en 2009 libre, c'est sûr que le Parti libéral va faire tout en son pouvoir pour aller chercher ce comté-là. Il va y avoir d'autres comtés qui vont se libérer au cours des années futures. Il y en a tout c'est le sûr, temps. Il y en a tout le temps. À ce moment-là encore, le Parti libéral va vouloir aller consolider
sa majorité. Ça va être quand même un jeu intéressant. Oui, il va avoir de la place pour beaucoup de discussions politiques. Exactement. Il va avoir de la place. Jean-Louis, si on parlait du pourcentage du vote, 57,7%, là, c'est le plus bas depuis 80 ans, ça se n'était pas vu. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben écoutez, moi, ça ne me dérange pas, ça, 57%. Ça ne me dérange pas du tout, puis je pourrais même en rajouter en disant que c'est pas le rôle du directeur d'élection de dire au monde, puis faire de la publicité pour dire les gens allaient voter. Non, c'est la responsabilité des gens. Et là, si les gens ont décidé, c'est leur responsabilité. On est dans ce système-là. Si on a juste, on avait juste à penser à des pays qui se battent pour avoir le droit de vote, nous autres, on l'a, on s'en sert pas. Donc, c'est la responsabilité des gens. Et j'irais même jusqu'à dire, qui ne dit mot consent? Non, mais écoutez, est-ce qu'on était dans une écœurantite aiguë? Puis, même si c'était ça, c'est pas important. C'est notre responsabilité d'aller voter, d'aller dire ce qu'on a à dire, puis d'aller, pour être capable de se prononcer plus tard, pour être capable de porter un jugement. Parce qu'on joue toujours supérieur à 70%, ouais, ou à peu près 70, 72, 74%. Mais là, on est tombé à 57%. C'est vraiment bas. Oui. Là. Ça, c'est même pas 6 électeurs là, sur 10 qui avaient le droit de vote, qui ont été votés. Mais il faut oublier que tout le temps de la campagne, on avait des médias qui disaient « Les gens ne voulaient pas d'élection, les gens ne voulaient pas d'élection. » Donc, ça aussi, ça a l'effet négatif sur le lecteur, ça. Ça, Jean-Louis, là, on va en reparler un petit peu plus tard de notre émission, là, parce que je sais que tu veux faire des mises au point là, avec les journaux, avec la radio, etc. Je sais que tu m'as demandé pour en parler, puis ça, c'est ouvert ici, il n'y a aucun problème avec ça. Donc, dans les comtés de l'Abitibi-Témiscamingue, on parle d'Abitibi-Est, Abitibi-Ouest, ça a respecté l'échelle provinciale, parce que si on regarde les comtés, c'est tout autour de 56, 57, 58%, 55%. Fait que ça veut dire que nous autres ici, dans notre coin, je parle du coin Abitibi-Témiscamingue, on a été égal à la province actuellement. On va parler, Jean-Louis, si tu me permets, on va parler des trois comtés qui nous intéressent le plus. On va y aller ici avec l'Abitibi-Ouest. Oui. Donc, l'Abitibi-Ouest, François Gendron, qui l'a quand même emporté haut la main, absolument, très facilement, avec une majorité supérieure à 5 200. Il jouait toujours dans ça, le 5 000 et plus, entre 5 et 6 000, donc il a conservé sa même majorité. Mais ce qui est un peu surprenant, avec la campagne que M. Morin a faite, parce que M. Morin est en campagne électorale, lui, depuis un an, au moins, c'est que M. Gendron a doublé son pourcentage de vote. Ça veut 58% contre 28%. Qu'est-ce qui s'est passé dans BTB-Ouest pour qu'un résultat de même arrive? C'est la tradition, je pense. C'est l'histoire qui se continue, hein. Puis je dis pas ça d'une façon négative. Je regardais dans le journal, il disait 9e mandat, M. Gendron sauve les meubles, etc. Effectivement, M. Gendron il vient de remporter son 9e mandat. Donc je pense que toutes les analyses qu'on pourrait faire, on va arriver au même point, c'est qu'il est gagnant. Si vous voulez que je vous dise. Est-ce qu'on peut dire une chose, parce qu'on parle du comté, là, Abitibi-Ouest, là, puis je n'ai rien contre M. Gendron, j'ai rien contre autres candidats qui se sont présentés, on est ici, on est neutre, on fait de l'analyse, mais est-ce qu'il y a dans le comté d'Abitibi-Ouest, je dirais, des personnes, je ne dirais pas plusieurs ou pas gros, mais des personnes qui ont voté pour l'homme à la place du parti? Oui, moi je suis convaincu que ça, oui. Moi, il y a des gens, écoutez, dans une autre vie, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens, puis les gens parlaient beaucoup plus de l'homme. M. Gendron, écoutez, X raisons. Bon, oui, ça, là-dessus, vous avez fait l'analyse. J'aimerais ça être capable de partir pour vous contredire, pour qu'on puisse s'ostiner, là. Mais non, mais je veux dire, il faut s'en rendre compte M. Gendron, c'est un mythe ici, dans ce comté-là. Puis, je pense que les gens sont beaucoup plus gendronnés ici que péquistes, si on pourrait dire, dans ce sens-là. Exactement. Mais remarquez bien, là, mon analyse n'est pas poussée, là. Je n'ai pas fait d'analyse dans l'ensemble. Parce que si on prenait, je regardais le résultat des élections à la grandeur du Québec, puis entre autres dans Westmount, juste un entrefilet, là, et dans Westmount, M. Bergman,
14 800 voix et son plus proche adversaire, c'est le Parti vert avec 600 voix seulement. Ça fait que ça, c'est, franchement, c'est la coutume. Là, oui, c'est la coutume. Simplement. Et là, ils sont beaucoup plus libérales que McManus. Oui. C'est ça, Outremont, Westmont, etc. Oui, ça, c'est gagné d'avance. Jean-René Rouyn Noranda, qui était médicament, où M. Bernard a repris son comté, il avait été battu par Mme Moras en 2007 par 129 voix seulement. Et là, il remporte le comté par presque 1800, là, 1700 quelques, là. Et puis, 57 % de taux ou de participation. M. Bernard a obtenu 42 % des voix, Mme Moras, 35 %. On la voyait venir, celle-là. Ah, celle-là était prévisible. On la voyait venir. Parce que moi, j'ai parlé avec des gens de l'entourage, je dirais pas de l'entourage, mais je dirais des gens qui sont près des partis politiques. Que ce soit libéral, que ce soit Québec solidaire, que ce soit péquiste, mais ce sont des gens qui s'intéressent à la politique. Et trois semaines avant le vote, on disait et on m'a dit que Mme Moras perdait son comté aux mains de M. Bernard. Et je suis même surpris qu'elle ait été chercher 8000 voix, moi. En tout cas, de ce qu'on entendait sur le terrain. Mm-hmm. Parce que moi aussi, je suis allé faire un petit tour sur le terrain pour aller voir. Mais élection prévisible, Daniel Bernard à Rouyn. Ça, on le savait avant de partir. Comme on se disait aussi, Abitibi West, M. Gendron. C'est ça, exactement. On pouvait puis, tout proportion garder, évidemment. Là. Et Daniel, il faut le dire. Mm-hmm. Daniel, c'est un gars populaire, puis il a mené plusieurs dossiers. OK, il y a des dossiers qui sont restés en suspens, entre autres le fameux dossier de l'Arena et d'Yves Kion qui devrait être résolu là, dans le prochain terme. Je ne dis pas que Mme Moras n'a pas fait son travail, là, c'est pas ça que je veux dire. Sauf que les dossiers de même, c'est que qui ne sont pas arrivés à terme. Alors, il faut absolument que ça arrive. Et là, ben c'est le temps. C'est le temps ou jamais. C'est ça. M. Bernard est là. Il est libéral et M. Charest est au pouvoir. J'ai l'impression que les gens de ce comté-là ont réalisé le travail que M. Bernard avait fait pendant 4 ans. Et là maintenant. Et là maintenant. Prévisible, ceci. Et le dernier comté qu'on va analyser rapidement quand même, c'est Abitibi-Est. Ça, il y a eu une belle lutte. Et puis une semaine avant le vote, moi, j'ai fait quelques sondages dans ce coin-là. Puis les deux candidats étaient nés à nez une semaine avant. Alors, M. Wawa Nolowat, lui, avait remporté son siège par plus de 700 voix. M. Corbeil, en 2008, reprend son siège avec 500 quelques voix, 515, 46 % contre 43 %. C'était toute une lutte. Ah oui, le soir de l'élection, on regarde ça, là. On le savait pas. M. Corbeil a eu la poussière dans les yeux tout le temps. Oui, exactement. Cardiaque, changé de poste, hein? Oui, exactement. C'était, je pense, le dernier. C'était dernier Exactement, c'était le dernier. On voyait 105, 106, là, au niveau c'est du ça, puis c'était seulement vers 10h30, 11h moins quart, avant que M. Corbeil dise, bon, OK, là, je l'ai. Il y a eu 5 pôles, hein. On voyait vers la fin qu'il y avait toujours 5 pôles qu'on n'avait pas. On jouait. Des fois, 305, 127, ça remontait. Exactement. Mais ça, ce n'était pas prévisible. Mais je veux dire, on le savait que ce serait serré. On le savait. Sauf que je pense que la machine libérale y a mis... Sûrement, parce que il n'y aurait pas ces résultats-là. M. Corbeil traîne avec lui les problèmes de l'industrie forestière, hein? Oui, parce qu'il était ministre des Ressources. Oui. Là, apparemment, la rumeur veut, parce que le Conseil des ministres n'est pas formé au moment où l'on fait l'émission, la rumeur veut qu'il soit ministrable et qu'il aurait le ministère du Grand Nord. Si elle regarde ça, ce serait un nouveau ministère. Moi, j'ai rien contre lui, M. Corbeil, absolument rien. Sauf que j'aurais aimé beaucoup, j'aimerais, parce qu'il n'y a rien de fait encore, mais j'aurais une préférence sur M. Bernard au Conseil des ministres, parce que je pense que si M. Bernard avait été réélu en 2007, il devenait ministre. Peut-être par la force des choses aussi, hein. Faut oublier qu'il y a une représentativité régionale qui existe au sein du Conseil des ministres. Et parce qu'il est toujours certain qu'il va y avoir un ministre ici, là. Ah, définitivement. Ça, il y aura un ministre. Exactement. Mais disons que les as n'étaient pas pour M. Corbeil. Même en 2003, quand il a pris le Conseil des ministres. Oui, exactement. Écoutez, la crise financière
c'était déjà commencé. La crise forestière était déjà commencée 2 ans auparavant. Et il s'est débattu comme un poisson dans l'eau et il n'a pas été... C'était pas un des ministères les plus faciles, c'était le seul, c'était à peu près le ministère dans le temps qui donnait des signes de ralentissement. C'est vrai. Fait que ça aussi, c'est pas le seul responsable de la crise forestière. Non, parce que on peut pas imputer à une personne tout ce qui se passe dans la foresterie au moment où l'on se parle. Mais dans son cas, il en prend plus que je pense que sa valise est capable d'en prendre. Exactement. On va y aller quand même assez vite, mais j'aimerais qu'on regarde juste quelques comtés au Québec, parce qu'il y a eu des comtés où il y a eu des grosses surprises. Et entre autres, dans Trois-Rivières, le bras droit de la DQ, leader parlementaire, puis un gars, moi, que j'aimais beaucoup, beaucoup. Très sympathique, il était jeune. C'est Sébastien Proulx. Il s'est classé troisième et loin, loin derrière les deux premiers. Ça, c'était un signe parce que quand deux ou trois semaines avant le vote, un sondage était sorti qui le plaçait troisième, justement. Oui. Alors, il fallait se dire, si Sébastien Proulx, dans Trois-Rivières, se classe troisième pour la DQ, aïe aïe, ils vont en prendre toute une et on l'a vu. Ouais, ça, là, on peut dire qu'il était porté par la vague, lui. Hein? Parce qu'il y avait une anti-vague, si on peut parler dans ce sens-là, qu'en 2007, il y avait une vague qui était pro-ADQ. Non, puis il était sympathique, hein? Beaucoup, on va le revoir en politique. Sûrement. Est-ce qu'on peut le revoir comme chef du parti? On verra. Je ne suis pas sûr qu'il serait prêt, moi. Non, je ne pense pas. Dans Chapleau, Gilles Taillon. Bon, bien, Gilles Taillon, lui, est parti d'un comté presque assuré pour s'en aller dans Chapleau. Mais je pense que, je ne sais pas si les gens, ceux qui suivent la politique, ont peut-être vu le geste qu'il a fait. Nous autres, on l'a vu, en tout cas. C'est que Gilles Taillon voulait partir absolument, mais il ne voulait pas claquer la porte. C'est ça. Alors, il s'est dit, je vais m'en aller dans un comté libéral, dans Chapleau. D'ailleurs, il s'est classé troisième. Puis, il s'est classé même très loin du libéral Marc Carrière, par presque 10 000 voix entre les deux. Donc, il a fait une sortie. Moi, j'ai à une personne comme ça. Ouais, il a fait une sortie honorable et ça nous montre, exemple, la valeur de cet homme-là pendant qu'il y avait une crise au sein de l'ADQ et qu'on le voyait pas, là. On ne le savait pas, tout ça, c'est bouillé par un temps, autre que les deux transfuges que maintenant peut-être qu'on s'explique. Mais M. Taillon, on dit, écoute, là, mène ta barque comme tu voudras, là. Moi, là, je suis plus capable de vivre à l'intérieur, je m'en vais. Mais, risque au coudon, si je t'ai lu, là. Exactement. Non, il a fait une sortie, un homme de conviction. Tu as juste dit un petit mot, transfuge. Les deux transfuges qui étaient passés de l'ADQ au Parti libéral ont été battus le 8 décembre dernier et j'en suis très fier. Moi, je suis contre ça, ces transfuges-là, je suis contre ça. T'as été élu sous une bannière, les gens t'ont élu sous telle bannière parce qu'ils ont confiance au parti, ils ont confiance en toi et au parti, puis là, tu t'en vas, tu changes de bannière, je pense qu'ils ont eu leur leçon. Je sais que je te vois aller, tu n'as pas l'air d'être d'accord trop tôt avec moi, mais seulement que moi, je suis contre. Moi, si, par exemple, la bannière que ne me fait plus, mon manteau ne fait plus, pourquoi qu'ils ne s'en viennent pas indépendants? Voilà. Ça, c'est parfait, parfait, ça, parfait. Ça monte la population. C'est ça. Moi, vous m'avez élu, c'est vrai, sur cette bannière-là. Je ne vis plus là-dedans. Dans ce cadre-là, je ne vis plus pour X raisons, mais je vais continuer à vous représenter. Mais sous une bannière indépendante. Indépendante, qui est libre de voter avec le gouvernement ou pas, à ce moment-là. Puis, il est libre de voter aussi avec le parti que je ne suis plus capable de vivre à l'intérieur. Exactement, Je pense que ce serait la solution, en tout cas. Plus, qui conviendrait plus aux électeurs. Exactement. Mais... deux comtés, très vite, Jean-Louis, dans Mercier, Amir Kadir, Québec solidaire, qui a battu une tête ici, Daniel Turp. Oui. Ça, c'est une surprise. Ça, c'est une surprise. Oui. C'est une surprise, ça. Puis, une autre personne, je ne sais pas si les gens l'ont suivi, nous autres, on l'a suivi beaucoup, c'est dans Vimont, Pierre Brien, qui s'est classé troisième, qui revenait comme adéquiste dans Vimont. Ouais. Pierre Brien, qui a déjà été fédéral, ici, fédéral, dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue, et puis... candidat adéquiste à Rouyn-Noranda. Exactement. Puis le principal bras droit de Mario Dumont, en plus de ça, donc a été battu, il est arrivé troisième dans Vimont. Fait que, sympathique, M. Brien. Oui, il est très sympathique, mais c'est une leçon. On va parler de Mario Dumont, justement. Oui.
départ de Mario Dumont. Bon, lui, il a, comme on dit dans le bon vieux langage, il n'a pas niaisé avec la POC. Le soir même, il a dit qu'il ne serait plus à la tête de son parti lors de la prochaine élection. Je pense que Mario, il a connu une défaite. On l'a vu, il y avait la larme à l'œil. Il était vraiment défait, là, ce gars-là. Là, que, ah oui. Quand on dit défait, là, vraiment défait. Si on parlait très vite, mais d'une possible succès. La première des choses, Jean-Louis, est-ce que ce parti-là va exister encore au Québec pour la prochaine élection ou si vraiment avec 7 députés, on s'en va pas bien, bien, on n'est pas en voiture, là? Je serais déçu si la DQ disparaissait. C'était intéressant d'avoir un troisième parti oui. dans ce sens-là. Mm-hmm. Oui, je pense que, puis je vais parler du côté positif, oui, la DQ va revivre, va continuer à vivre, elle va changer d'orientation, elle va changer de programme. Il faut qu'il change de programme, c'est ça. Le leadership va changer. Monsieur Dumont, d'ailleurs, c'est un chef, d'après moi, qui est arrivé trop jeune en politique. Oui. L'usure du pouvoir. Parce qu'il y avait 20 quelques, 20 quelques années. Il a fondé son parti. Oui. Et l'usure. Vous savez, ça use, ça, d'être toujours en avant, dans ce sens-là. Et probablement décroché, mais je veux pas tomber sur la tête de M. Dumont. Non, non, non. Je pense qu'il en a eu assez, là, comme je pense tel. Que oui, exactement. Mais ce que je souhaite à la DQ, par exemple, que ce soit pas Gendron. Je parle pas de François Gendron, Stéphane Gendron, le maire d'Huntington, là. Qui se désintéressait à la direction de la DQ. Oui. C'est pour ça que lui, il ne veut pas une course à la chefferie de la DQ avant 2 ans, parce qu'il veut finir son terme comme maire de Huntingdon. Après ça, il va venir en deux coups. Juste de voir son nom-là, je pense que ça enlève la crédibilité à un parti politique. C'est fort pendant possible. Qu'il y en a d'autres bonnes personnes qui sont là, vous avez oui. M. Detel, M. Kerr, qu'on juste fait juste voir, mais il y a probablement d'autres aussi, sûrement. Mais qui vont être intéressants. Qui vont venir se greffer à ça. La DQ va vivre. Alors, au moment où l'on se parle, le gouvernement n'a pas reconnu encore officiellement la DQ, parce qu'on sait que pour reconnaître un parti politique, il se doit d'avoir 20 % des voix ou 12 députés élus. La DQ a eu 15 % des voix et 7 députés élus. Donc, en principe, selon la loi parlementaire, vous n'êtes plus reconnu comme étant un parti officiel. Et tout ce qui s'enchaîne dans ça, les budgets, les bureaux gouvernementaux, les secrétaires, peu importe, là, on peut aller très loin. On a parlé de baisser ça à 15 % et de baisser ça à 5 députés pour que la DQ soit reconnue. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ben écoutez, 15 % du suffrage exprimé. Oui, du suffrage exprimé. Parce que tout à l'heure, on reviendra à ces propos de M. Charon. On parle de légitimité. Si, en tout cas, on reviendra à ces propos-là, 15 % Moi, je pense que le DQ devrait être reconnu. Par contre, il y a des grands enjeux. Hein. Faut les voir, les enjeux. Et les enjeux, actuellement, sont pas pour le gouvernement au pouvoir. Les enjeux sont pour l'opposition. Parce que le temps de parole, le temps de questions de l'opposition va être divisé. Tant qu'il n'est pas reconnu, ils ont le droit à une ou deux questions par session. C'est ça, c'est ça. Tandis que si c'est une opposition reconnue, bien, ça divise pratiquement en deux. Pareil, là. Ça n'est plus la même chose. Ça veut dire, budgets aussi, alors, d'ailleurs. Pour bien se faire entendre, là, pour bien se faire comprendre, je veux dire, c'est que si c'est reconnu comme étant un parti officiel, ils ont le même droit de parole, le même droit de question que le Parti québécois peut avoir droit. Puis s'ils ne sont pas reconnus comme étant un parti officiel, à ce moment-là, si ma mémoire est fidèle, c'est 2 questions par jour. Par jour, un peu comme ça. Et la patate chaude, c'est Mme Marois qui l'a. Je ferais, lui, qu'il soit divisé en deux, qu'il y ait 2 qui posent des questions, il va l'avoir toutes les questions pareilles. Oui, c'est ça. Donc, la patate chaude qu'il a, c'est Mme Marois qui l'a. Et mais à savoir aussi qu'en 2007, M. Dumont n'a pas été tendre pour la troisième opposition. Mais non, aussi. C'est ça. Ici, non, là, c'est vraiment le, ça. Là. Ce ne sont pas les deux plus grands amis du monde depuis le fameux débat en 2007. 2007. Ça, c'est... Donc, pour M. Charest, lui-là, oui, vous êtes prêt à passer ça, là, oui, parce que lui, ça ne le dérange pas. Ça ne le dérange pas que, peu importe l'adversaire, il va être toujours là. Là. Mm-hmm. Fait que, divisez-vous le temps en deux, je n'ai pas de problème avec ça. Mme Marois, par exemple, en a... Elle n'est c'est pas elle qui va perdre son... C'est qui perd son long... du temps d'antenne. Son temps d'antenne, autrement dit. Exactement. Si on peut parler comme ça, oui. Jean-Louis, tu m'avais emporté des sujets. Puis, entre autres, tu voulais absolument parler de la présence des médias lors de la campagne électorale. Oui. Écoutez, là, si on regarde dans les médias, j'en ai apporté, mais je ne les sortirai pas parce qu'on va manquer de temps. Les médias, il va falloir commencer à se poser des questions
Je parle des médias nationaux. Là. OK. La position. Comment ils jouent avec l'électorat? Ce n'est pas le rôle des médias, selon moi, ce n'est pas le rôle des médias d'orienter la campagne électorale. Je vais vous donner quelques exemples, après ça, tous les exemples étant comme ça. À savoir, le cas des urgences. Jusqu'au 7 décembre, les urgences, c'était terrible au Québec. L'élection du 8, depuis le 9, on n'entend pas parler. Ça veut dire que le problème est réglé. Ça n'entend pas déjà. Mais non, le point de vue est bon. Oui, c'est la caisse de dépôt. Bon. La caisse de dépôt, ils en ont c'était fait. L'enfer. Ils en ont fait un enjeu électoral. Oui, c'est ça, exactement. Le lendemain, le 9, on n'entend plus parler de la caisse de dépôt. Donc, la perte de peut-être 40 milliards est revenue dans les coffres, probablement. Probablement. Dans ce sens-là. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Non, c'est vrai. Donc, ils ont suscité des points de débat qui fait en sorte qu'il y a des partis politiques, il y a des gens. Que c'est bien sûr qu'ils s'en servent, et qui sont là pour apeurer. Moi, je vous dirais, les médias nationaux actuellement, nos journalistes, ils insistent sur des sujets, ils choisissent les sujets qu'ils veulent discuter, ils ne disent pas ce que le peuple pense, ils pensent pour le peuple. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux dans une démocratie qui est la nôtre, et ce qui explique, selon moi, 57 % des débats au niveau de l'électorat. C'est un point de vue, puis c'est un bon point de vue, Jean-Louis. Pourquoi qu'au Québec, on est facile à faire des changements, puis on se dit, écoute, là, faut changer. Pourquoi que pour une fois qu'on ne connaîtrait pas une prochaine campagne électorale où ce que les médias vont rapporter exactement ce qui se passe? Je vais vous regarder, par exemple, un média local qui est ici, moi, je pense qu'il reflète bien la population. On regarde François Chandron sauve les meubles. Pas de problème, que le titre soit comme non, ça. Peu importe. C'est vrai qu'il a gagné. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il a gagné. La région revient au pouvoir. Vous regardez Corbeil, une soirée fertile c'était d'émotion. Vrai. Ça ne peut pas être plus vrai que ça. Non, c'est vrai. Puis ça, on peut le nommer. C'est quel journal, Jean-Louis? C'est le citoyen. Okay. Un 9e mandat pour M. Chandron. C'est ça. Puis pendant que l'actualité, c'est le lendemain, l'élection, c'est le premier journal qui sort. Oui, c'est ça. On parle de d'autres choses. Mais on dit un 9e mandat. Et ça, vous le voyez comme ça. Allez voir dans la presse, allez voir dans le journal. Oui, il reste 2 minutes, mais il y a une chose qu'il faut parler. Claude Charron. Oui. Jean-Louis, tu voulais me parler de Claude Charron. Claude Charron, j'admire sa plume, parce qu'il a une très belle plume. Mais le soir de l'élection, le peu de respect que j'avais pour cet homme-là a disparu. Puis il faut le dire, puis je suis d'accord avec toi, c'est que Claude Charron a, peu importe le parti politique, mais si on sait que c'était un ministre péquiste, c'était un député péquiste, puis il y a encore le sigle péquiste en plein front, puis il n'est pas honnête dans ses propos, et je suis d'accord avec toi. Surtout quand il se dit neutre, il ne l'est pas. Non, et on ne demande pas à un analyste politique d'être neutre, parce que personne ne l'est, pas plus qu'on le voit actuellement. Mais on demande au moins d'être partial. Je regarde le club des ex. Oui. On voit les couleurs. Oui, on les voit. Une partialité. Exactement. Oui, ils sont capables de dire, ou en tout cas de s'abstenir quand par rapport à leur couleur. Oui. Je suis content que tu parles du club des ex. On parle de Marie Grégoire, on parle de Charbonneau, puis on parle de Lisa Froula. Alors, libéral, adéquiste, péquiste. Puis on est capable d'avoir une couleur. Oui. Sauf qu'ils sont réalistes. Très réaliste. Je regarde, M. Charbonneau, quand il est plus ou moins d'accord, il se tait. Ouais. C'était les autres à faire le débat. Ça, et l'inverse aussi. C'est pareil. Puis le lendemain aussi, dans son petit discours presque d'adieu, parce qu'il s'en retourne en France, lui, là. Il a frappé beaucoup sur Jean Charest. Puis ce n'était pas son rôle. C'est dangereux ses propos qu'il a dit. Quand il parle, par exemple, de légitimité, et là, ça va plus loin. Et s'il était conscient de ce qu'il dit, s'il était moins impulsif, il aurait été conscient de ce qu'il dit. Parce que quand on parle de légitimité, est-ce que toutes nos maires sont légitimes? 50 % de voix, 40 % un long débat là-dessus. Jean-Louis, merci infiniment. On aurait pu faire une heure facilement. On va se reprendre. Alors, merci beaucoup. Puis en février, on va venir parler du Conseil des ministres et tout ça. Oui. Alors, merci Jean-Louis. Okay. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Et on se donne rendez-vous à une prochaine émission. Donc, on s'en parle. Au revoir.